Wabucha mengano, ke me yuo miambia lumfulu mengani se, ke me Yesu owe. Wabucha mengano, ke me yuo miambia lumfulu mengani se, ke La République du Congo, située au cœur de l'Afrique, avec ses 342 000 km² de superficie, dont 65% de couverture des forêts, soit 22,5 millions d'hectares, avec un taux de déforestation estimé le plus bas du bassin du Congo, 0,052% jusqu'ici. Un équilibre qui menace toutefois de s'effondrer suite au désespoir social des gardiens de la culture forestière au détriment de certaines sociétés d'exploitation forestière qui ont trouvé au Congo un terrain favorable pour une exploitation sans précédent, surtout dans la zone sud où les forêts ne sont pas encore certifiées. La peur est de voir disparaître certaines espèces. Plus tard, où est-ce qu'on aura encore les pousses du Moabi, de la Kiminata, du Tiama? Vous n'aurez plus les essences nobles. Peut-être dans 500 mètres carrés, vous allez trouver vraiment, par coup de chance, une pousse de Moabi. Le boto pareil. Mais tout est détruit. Les populations riveraines de ces forêts en sont en l'occurrence les gardiennes qui doivent être associées à la gestion de celles-ci. La localité de Zanaga, dans le département de la Likoumou par exemple, les populations locales et autochtones se regardent parfois en chien de faïence. Bien que, depuis 2011, un décret avait été pris sur le statut particulier du peuple autochtone, l'intégration de la femme autochtone en particulier et locale en général, dans le processus de développement forestier, est encore loin d'atteindre le résultat escompté. La gestion forestière durable ou la conservation de la biodiversité reste encore méconnue pour la quasi-totalité de ces gardiennes qui devraient être encadrées et formées. Cependant, elles sont surprises des effets du changement climatique. C'est depuis 2016 que nous avons constaté ici que les tubercules de manioc pourrissent. Parfois, c'est toute la plantation qui subit le même sort. Nous ignorons vraiment de quoi s'agit-il. Et même lorsqu'on peut trouver de la baguette de manioc, c'est coûteux et la quantité est à déplorer. Nous ne gagnons plus grand-chose, les plantations ne donnent plus. Et nous essayons de nous contenter de la farine de manioc. Pour cette couche de la population locale, subir les foudres des changements climatiques est comme une obligation de voir ailleurs ou entreprendre autre chose sans connaître les causes. Nous essayons de faire autre chose, mais cela non plus ne marche. Nous partons d'ici pour l'Udima, Kai, acheter de la farine de manioc et venir revendre. À défaut, nous nous contentons du riz. Pour les femmes autochtones, c'est une autre paire de manches. Nous pouvons faire nos plantations. Dommage que nous ne pouvons pas facilement vendre nos baguettes de manioc. Qui va acheter ce qui cultive un autochtone? Ils ne veulent pas acheter chez nous. Certains font parfois l'exception d'acheter difficilement une partie de nos plantations et ils imposent le prix. Que pouvons-nous faire? Si les textes font mention de leur insertion, la pratique en est une autre chose dans cette localité. À Brazzaville, la capitale, nous n'avons pas de représentants. Un chef à qui confier nos soucis. Nous ne pouvons compter que sur nos propres efforts. Et même l'insertion de nos enfants reste difficile. Nos filles font bien les tresses, mais les Bantous n'aiment pas les voir le faire. Et les Bantous n'aiment pas que nous soyons ensemble dans les mêmes endroits. Cependant, n'empêche que les Bantous arrivent jusqu'à enceinter nos filles et puis les abandonnent à leur propre sort. Non loin de là, une fille autochtone a accouché des jumeaux. Le géniteur serait un Bantou. Ce dernier ne s'est jamais présenté.
Nous ne pouvons pas facilement aller à l'hôpital. Nous accouchons dans nos huttes après avoir fermé la porte. Ensuite, avec une lame de gilette, nous coupons le cordon ombilical. Pour les campagnes de vaccination, certains arrivent dans nos localités. On peut facilement mourir dans la maison. Moi, par exemple, je suis souffrante, une espèce de furoncle sous le sein gauche. Mais que faire? L'esprit prisonnier des turpitudes, du désespoir et de la peur du lendemain cultive forcément le doute. Si la réussite du processus Red Plus prend en ligne de compte l'intégration de cette couche sociale dans la gestion et la protection forestière, mettre à leur disposition les outils nécessaires leur permettant de s'intégrer entièrement dans cette politique par les sensibilisations, les formations et encadrements serait un atout majeur pour la protection et la bonne gouvernance de la biodiversité du massif du Chahu pour le cas des localités de Zanaga ou de Bambama, peuplées par les ethnies Teke, Mbama et autochtones. Lorsque les droits humains sont garantis, quand les droits économiques et sociaux sont pris en compte par les acteurs politiques avec une intégration dans les programmes de développement, les priorités des populations, ces dispositions assurent inéluctablement un environnement social qui conforte et consolide la paix.